L'univers du fabricophone, donc tout ça c'est des instruments, c'est des créations. Remarquez, on joue acoustique, hein, donc n'hésitez pas à vous rapprocher. J'espère qu'on entend suffisamment aussi de loin, ça va? Très bien. Merci. Alors je vous présente un premier instrument, ça s'appelle un ukubombo. C'est un manche de ukulélé, donc, et avec particularité, une table en polystyrène, comme la contrebasse d'ailleurs. Voilà, c'est un peu l'originalité de ces instruments-là. Et le polystyrène, en fait, a beaucoup d'avantages. C'est très léger et si on le rigidifie avec du bois, ça fait des tables de vibrations relativement sonores. Deuxième morceau, le Borino Féroce. Voilà. Des morceaux un peu détournés, hein, comme des instruments. Voilà. Ça s'inspire d'un morceau connu, peut-être vous le reconnaîtrez, celui-là. D'ailleurs, ça vient de la musique de l'Est. C'est un morceau qui vient des Balkans. Et dans sa version détournée, c'est le Borino Féroce. Thank you.
Ah oui, l'Isère 10. Je vous présente tout de suite un deuxième instrument. Un bon bolon. C'est une variante du violon. Heureusement que Paganini n'a pas plus abusé, et surtout le grand luthier. Stradivarius. Allez. Surtout Stradivarius. Ah, ouais. Il se rappelait plus de ses copains, c'est pour ça qu'il a oublié. Alors donc, comme le Ukubombo, une table en polystyrène, voilà. Et les cordes sont relevées pas mal pour le passage de l'archer. Je ne bénéficie pas des ouïes sur le côté pour le passage, donc il faut relever un peu les cordes. Voilà. Donc je vous propose un morceau qui vient toujours de la musique de l'Est, là, plutôt roumain maintenant. L'Isère 10. Thank you.
Oui, oui, c'est limite, comme toujours. Mais c'est bien. C'était bien. Non, parce qu'on est... Blaireau des Manouches. Oh, pas du tout. Oh là, j'en fais une carte par jour. C'est bien. Oui, oui, mais par contre, on ne jouera pas avec... avec Federico, parce que c'est pas une maladie. D'accord. Alors, donc, le héros des Manouches. Il est prêt. Attends, ils sont pas prêts. Bon, ils sont prêts. Ils sont pas prêts, ils étaient pas prêts. Voilà. Attends, j'ai mon tabouret qui va. Ça, alors, Léo ? C'est prêt. Allez, c'est parti. Thank you.
juste pour vous présenter Renaud maintenant. Alors, c'est les seuls instruments qui ne sont pas de ma fabrication. Voilà, c'est une espèce de bague, c'est des finger shots. Vous avez vu comment ils les utilisent. Donc, c'est vraiment un grand spécialiste des finger shots. C'est calme. Il joue de la. Peut-être cet instrument, c'est peut-être le meilleur au monde d'ailleurs, parce qu'il n'y en a qu'un, mais quand même. C'est une drumeuse récupercuteuse. Voilà, à partir. Toujours pareil, une table en polystyrène et puis des accessoires en bois. Ça, c'est la cymbale, voilà. Alors, le morceau suivant, toujours au violon, c'est l'école buissonnière.
passage notre contrebassiste, qui est un premier prix de conservatoire, mais qui a accepté très gentiment de jouer sur cet instrument hybride. Là, voilà. C'est fait. Et puis je vous présente aussi au passage Tintin qui l'accompagne tout le temps. Tintin, tu viens venir s'élever là? Une fois il a fait ça, c'est pour ça que j'essaie à tous les heures. Ah non, il va se cacher. Bon. Thank you.
C'est toujours quelque chose qui pourrait se rapprocher d'une guitare avec aussi une table en polystyrène. Voilà. Vous, après le concert, vous pouvez venir les voir, même les essayer, hein, si, c'est, si ça vous tente, c'est tout à fait possible. Et puis, ah oui, je ne vous ai pas présenté cet instrument. Donc ça, c'est un arlequin gondolier. Alors pourquoi arlequin gondolier? Il faut le voir de près pour comprendre. Arlequin parce que les lames sont, c'est des losanges, c'est le costume d'arlequin. Et les, c'est des losanges qui sont pliés, et donc si, le pli est vers le bas, mais si vous le retournez, ça fait exactement la forme du gondole. Et ça tombe bien parce que alors, arlequin, il est de Venise, du pays des gondoles.
Ça m'a été confirmé d'ailleurs par les Italiens qui sont ici. Federico. Ah, c'est un pays. Je suis course. Ouais. C'est à moi. Alors, on a. Suite de Slabowski. Ça va aller? Oui. Je vois. Allez. On tente. Allez. C'est bon? Attends, pas passé. T'es pas prêt? Ouais, je suis pas passé le temps. Tu vois? C'est un peu fou, mais ça va aller. Thank you.
partager. Je vous demande. Alors maintenant, Chicotoqué, c'est une. C'est encore un morceau détourné, mais d'un morceau d'un choro brésilien. Peut-être vous le reconnaîtrez. Déjà rien qu'avec le titre, mais Chicotoqué. Et après, on avait prévu un morceau avec Federico, mais malheureusement, il est malade. Alors, ouais, il a eu peur. Mais sinon, on fera. Je vous propose d'inviter Fabien, qui était dans le public. Il faisait partie d'une des premières versions du Fabricophone. Il y a eu, c'est comme en informatique, il y avait V1, V2, V3, V3.1, V3.2. Et je crois que Fabien, c'était la version V2.3. Ouais, c'est ça. Alors, Chicotoqué. On démarre avec la rythmique normalement. Oui, attends deux secondes, parce que j'ai perdu le personnage. C'est en vous. J'ai jeté parce qu'elle vibrait sur le. On fait un petit coup de rythmique avant. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? On fait un coup de rythmique. Oui, c'est ça, oui. 8 mesures. 2. Thank you.
3, 4. Ah voilà, c'est la place à éviter. Ouais. Ben voilà.